Salut mes amis, aujourd'hui la liturgie de la parole nous invite à méditer l'évangile selon saint Luc. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, ô Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Seigneur, alléluia, 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 gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les douze. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous avons attendu nous aide à comprendre le lancement de l'année pastorale dans nos diocèses. Tout d'abord, Jésus rassemble les douze. De nos jours, c'est l'évêque, le pasteur d'un diocèse qui rassemble ses disciples au nom de Jésus pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu à tous. Jésus demanda à ses disciples de ne prenez rien pour la route. C'est une invitation à se détacher des choses matérielles, mais aussi de certaines idées et manières d'évangéliser auxquelles nous sommes attachés. Comme le rappelle Mgr Gilles dans sa lettre pastorale, cela s'est toujours fait ainsi. Quand l'Évangile dit que si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est une invitation à la patience, car l'évangélisation n'est pas facile. Mais c'est aussi un appel à innover, à changer de stratégie dans notre évangélisation pour que l'évangile accède à tous les foyers. Mes amis, que Jésus, source de notre mission, nous accorde les reins d'une foi solide et l'amour de la partager avec les autres par notre témoignage de vie. Amen. Mes amis, merci beaucoup pour avoir le temps de méditer la parole du Seigneur, mais aussi pour les pratiquer. Et je vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.